Le couple de la gloire glorieuse, Mariam et Khalil, en train de faire des dons dans les rues en Guinée. Famille, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Oh, partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans vos différents groupes, même sur WhatsApp, partagez partout. Parce que quand c'est bon, là, il faut encourager. Voilà derrière moi, n'est-ce pas, la vidéo en question de Khalil et de Mariam dans des rues en Guinée en train de partager, n'est-ce pas, des bazins à la population et aussi du sucre. Voilà. Ils ont partagé au total 212 bazins et combien? 150 kilos de sucre. Parce que vous savez que pendant le Ramadan, il y a des gens qui font des bouillies, qui font des beignets et tout. Ils ont besoin de sucre. Voilà, donc ils ont partagé 150 kilos de sucre et 212 bazins venant très exactement de Bazin Bamako chez Bokoum. Voilà, ce n'est pas la publicité que je fais, hein. C'est ce que moi j'ai lu dans leur description. Voilà. Famille, j'aimerais vous rappeler ici que ma page Melissa Sanchez News est gravement signalée. Donc si vous me suivez sur ma page Melissa Sanchez News, cliquez tout simplement sur Melissa Hay et allez vous abonner parce que c'est dorénavant là-bas que je vais poster mes vidéos. Donc pour mes vrais, ceux qui se sont abonnés parce qu'ils aiment mes contenus, parce qu'ils aiment mes vidéos, ceux qui se sont abonnés sur Melissa Sanchez News, n'hésitez pas à venir me soutenir sur ma deuxième page, Melissa Hay. Parce que si je continue de bosser sur Melissa Sanchez News, ça ne sert à rien. La page, elle était tellement signalée et Dieu sait seulement. Dieu seul sait pourquoi. Voilà, parce que ma ligne éditoriale, ce n'est pas une ligne offensive. Je ne vois pas pourquoi les gens vont venir signaler ma page. Voilà. Donc, venez vous abonner sur ma deuxième page, Melissa Hay. C'est là-bas que je vais poster dorénavant mes posts, mes vidéos et consorts. Et un petit rappel aussi, actuellement, je suis en promotion. Ça, c'est mon don du Ramadan qui est là. Hein? Moi aussi, je fais les dons. Tranquillement, tranquille. Donc, je fais des réductions sur toutes les perruques. Et aussi, j'encourage celles qui veulent se lancer dans le business en question. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je vais constituer votre lot, peu importe votre budget. Même si c'est 200 euros, je vais vous faire le lot de 200 euros. Tranquillement, tranquille. Donc, famille, comme je disais, Khalil et Mariam, c'est ce jeune couple ivoiro-guinéen. Que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, ils ont fait déjà des interviews un peu de partout, sur des chaînes de télévision, même sur Brut. Ils sont passés sur Brut Afrique. Ils ont expliqué grosso modo leur histoire. Ils sont passés dans l'émission de Willy Dombo. Ils ont expliqué leur histoire. Et bon nombre de personnes se sont indignées en disant qu'ils incitent la jeunesse à se mettre en couple, à laisser les études pour, n'est-ce pas, se concentrer sur des relations sentimentales, sur le Mougouli, sur le Mougouli, etc. Donc, on voit tous ici, voilà, puisque Khalil et Mariam avaient dit devant nous tous ici que ils ne se sont jamais vus. Ils n'ont jamais fait. Depuis qu'ils sont en couple, là, ils n'ont jamais fait. Contrairement à d'autres couples, là, ils sont à la maison, ils sont têtus. Maman dit, faut venir laver des assiettes. Non, je m'arrête chez mon gars, ça a un Mougou là-bas à son jeune âge. Donc, au contraire, Khalil et Mariam, ils n'ont jamais fait, ils l'ont dit ici. Même s'il y a certains qui doutent, moi je le crois. Voilà, tranquillement, tranquille. Donc, vous voyez, ils sont actuellement, vous savez, c'est la période de Ramadan, ils sont, n'est-ce pas, dans les rues de la Guinée là-bas, en train de partager des pagnes aux femmes. Regardez le sourire sur les lèvres de ces femmes-là. Regardez, ça fait un grave plaisir de faire des dons. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout en cette période de Ramadan où les gens ont besoin d'être accompagnés, les gens ont besoin de farine, les gens ont besoin de, je sais pas trop, vous connaissez ce qu'on utilise. Moi, je ne suis pas musulmane. Je ne suis pas musulmane. Donc, ça. Ce que je porte même pour faire la vidéo là, c'est parce que c'est le thème de la vidéo, c'est le Ramadan. C'est pour ça que je mets ça, voilà. C'est une copine marocaine qui m'avait envoyé ça et c'est très symbolique pour moi. Donc, comme je disais, vous savez c'est quoi, vous avez besoin de quoi pour le Ramadan, pour casser le jeûne et tout. Et je pense que le bazar même c'est la bienvenue parce que ça va peut-être permettre aux uns et aux autres de coudre une petite robe ou bien de faire un bon foulard. Ou bien de faire un truc pour la fête du Ramadan. Voilà. Ça fait toujours plaisir de faire des dons, de partager avec ceux qui n'en ont pas. Ça fait beaucoup plaisir. Donc, j'encourage ce couple-là. C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas tomber sur cette vidéo-là et puis je n'en parle pas. Parce que quand c'est bon,
il faut dire que c'est bon. Quand il faut apprécier, il faut partager. Si vous appréciez la vidéo, autant pour moi, il faut partager la vidéo tranquillement, tranquille. Donc, merci beaucoup à Mariam et puis à Khalil de montrer l'exemple. Voilà. Merci beaucoup à eux de montrer l'exemple, de prêcher par l'exemple. Ils ne sont pas seulement ceux-là qui font des vidéos sur TikTok pour danser, pour rigoler. Ils sont aussi ceux-là qui ont un grand cœur. Ils sont aussi ceux-là qui savent partager avec les autres. La preuve est dans cette vidéo-là. Donc, famille, je vais vous laisser. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça, je vous le demande. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Melissa Hey. C'est là-bas ma deuxième page. C'est là-bas que je poste les vidéos dorénavant jusqu'à ce que les signalements sur ma page principale puissent baisser un peu. Voilà. Et puis, partagez également la vidéo parce que c'est au travers des partages que des gens vont, hein, n'est-ce pas, comment on dit, vont pouvoir s'abonner à ma page massivement. Donc, famille, à la prochaine. Je vous claque plein de bisous. Je vous claque plein de bisous. Mouah.